ce que t'as, ton attente de ce que je te dise, c'est des éléments un peu méthodologiques, quoi. Ouais, structurant. Tu vois, que je puisse presque adapter, parce que ce sera jamais la même thème, ce sera jamais... Bah, tu veux que je te dise quelques trucs ? Ouais, carrément, vas-y. Hein. À fond, beaucoup, même beaucoup. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de la liberté et du pouvoir, en fait, du pouvoir que tu veux donner aux gens. Et alors, je vais te dire, moi, je vais te donner des éléments un peu conceptuels, parce qu'une méthode, elle s'appuie sur une philosophie, en fait. Il n'y a pas de méthode en soi. Si tu veux. La méthode, elle est quand même, elle signifie ce sur quoi on travaille, en fait. Parce que justement, tu peux avoir des méthodes très autocratiques ou des méthodes plus démocratiques, tu vois, et ça ne fait pas les mêmes objets au final. Je vais te donner quelques fondements, mais qui sont les miens. Après, et ça, je pense que c'est un élément de méthode aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de méthodes possibles. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une méthode qui serait la bonne et une autre qui serait la mauvaise, voilà. Mais justement, je pense qu'au-delà de la méthode, il y a des fondements, une pensée du monde, et puis il y a aussi... Un rapport à l'autre, en fait. Et, ouais. Et alors, mais du coup, est-ce que le rapport à l'autre n'est pas l'essentiel de la méthode, d'ailleurs, si tu... Mais oui. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet par rapport à ce que tu me dis, c'est-à-dire le simple fait que tu te poses ces questions, c'est déjà un élément de méthode. C'est-à-dire que je pense que le fait de questionner sa pratique avant et après, je pense, pour moi, c'est assez important parce que justement, se faire croire qu'il y aurait une bonne méthode, genre qui marche à tous les coups, pour moi, c'est un leurre parce que finalement, justement, ça se fait avec les gens. Donc, les gens, c'est jamais les mêmes et même les mêmes personnes. Un groupe de personnes, il est unique dans l'espace et dans le temps. Ces personnes-là rassemblées à ce moment-là pour faire ça, c'est unique au monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui s'invente et du coup, duquel on peut apprendre sur le moment et duquel on peut apprendre après. Donc, pour moi, il y a quand même, voilà, ça fait partie de la méthode de se questionner parce que du coup, ça fait qu'on est en souplesse. On ose essayer des choses aussi, tu vois. Alors, du coup, pour être un peu plus... commencer sur quelques concepts, mais un peu plus concrets quand même, tu as parlé de deux choses, donc du pouvoir et puis de la liberté, quoi. Est-ce que j'impose et quelle est finalement la marge de liberté des gens? Et en effet, c'est hyper important parce que le but, pour moi, les objectifs, il faut toujours se questionner. Et alors, je vais te donner quelques références. Il y a... Jean Houry, tu vois qui c'était Jean Houry? Pas trop, non. Jean Houry, il y avait deux frères, Jean Houry et l'autre, j'oublie le prénom de son frère. Jean Houry, c'est le fondateur de la clinique de la Borde. Ah oui, très bien, oui, ok. C'est la thérapie, ce qu'on appelle la thérapie institutionnelle. Pourquoi? Parce que l'institution n'est pas quelque chose avec ses règles qu'on impose aux gens et où il faudrait qu'ils rentrent dedans. Parce que l'autiste, tu fais ça, il se ferme de toute façon. Ouais. Il ne va pas ouvrir le dialogue. Et en fait, chaque matin, c'est chaque matin à la Borde, ça existe toujours hein, d'ailleurs, la Borde, chaque matin, on questionne qui va faire quoi, qui est responsable de quoi aujourd'hui. Autant au même niveau entre les patients et les soignants, on fabrique l'institution et on fabrique les règles du jeu, si je peux dire, chaque matin. Et elles peuvent être différentes d'un jour à l'autre. Ça me semble un point important. Jean Houry, en fait, lui, son truc, parce que bon, il a écrit, etc. Et en fait, sa question, c'était la question du pourquoi. C'est-à-dire, chaque matin, il disait, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je suis là, moi? C'est quoi mon rôle? Et du coup, c'est une question fondamentale, la question du pourquoi on est là ensemble, quoi. C'est quoi ce moment? Et en fait, c'est le moment le plus important de la vie. En réalité, parce que c'est le moment où on est là, voilà, donc ça vaut le coup de se poser la question du pourquoi. Et c'est une question personnelle, mais collective. Et en fait, ça fait peur parce que on a peur, en fait, si on questionne tout le temps, bah, on a peur que ce soit le bordel, quoi, et que les gens soient perdus, etc. En termes
méthodologique, mais conceptuelle aussi, pour que quelqu'un ou des personnes puissent s'exprimer, s'émanciper, tu vois, le pourquoi, c'est ben, on veut que les gens soient enrichis de quelque chose, quoi, en gros. Bon. Mais surtout, je crois qu'ils s'enrichissent par eux-mêmes de quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on peut se dire, ah, ben, c'est descendant, j'ai un savoir et je le donne. Non, on va mettre les gens en action et du coup, tes pratiques liées au corps, elles sont complètement en écho avec ça. C'est eux qui vont bouger, donc c'est eux qui vont fabriquer ce qui va les enrichir. Et que finalement, toi, tu produis un cadre à l'intérieur duquel ils vont agir le plus librement possible, c'est ça que tu appelles de tes voeux, pour eux-mêmes y construire quelque chose par eux-mêmes, en fait. Ça, c'est bon. On peut avoir des visions différentes. Moi, c'est la mienne, si tu veux. Tu vois. Comment faire, parce que toi, tu es dans la position, c'est toi qui proposes l'atelier, donc c'est toi qui tiens le cadre. De même que Jean-Houry, s'il n'était pas là, ce n'est pas les patients qui ont créé la clinique de la Borde, c'est quand même lui. Il a une responsabilité différente, même si elle peut être questionnée, et toi, de la même manière. C'est toi qui anime l'atelier, c'est toi qui as fait le film, c'est toi, enfin, tu vois, donc tu as une fonction complètement différente des autres. Ouais. Et pour moi, cette fonction-là, c'est le cadre. Donner, de créer un cadre au sein duquel les gens vont pouvoir être libres et se apprendre par eux-mêmes, etc., via les activités que tu proposes. Mais du coup, c'est quoi ce cadre, en fait? Et la question est là, est-ce que c'est un cadre qui te contraint, donc finalement dans lequel tu n'es pas libre, ou est-ce que c'est un cadre qui te permet de t'émanciper? Et c'est complexe parce que l'émancipation fait peur, parce que dès lors que quelqu'un s'émancipe, bah, il est libre, donc il fait ce qu'il veut, donc il peut déborder ce que toi t'imaginais. Donc, du coup, c'est ça qui est complexe avec le cadre. Je voudrais te parler un peu de cette question du cadre, si tu veux, parce que pour moi, c'est une question clé. Le cadre, pour que quelqu'un puisse… mais ça, je pense que… En fait, je suis en train de mettre des mots sur des choses que tu pratiques déjà, en réalité. Mais c'est, moi, j'ai besoin de ça. Je te remercie. Ah. Non, mais voilà. Ça m'aide beaucoup parce que je suis tellement hors cadre que j'ai tellement besoin de… Ouais, mais je pense que je ne t'apprends rien en termes de fond. C'est juste que je mets des mots, mais sur des choses pratiques, en fait. Et c'est à ça que servent les mots, d'ailleurs. Et du coup, pour que quelqu'un puisse s'ouvrir à lui-même, quoi, en gros, et aux autres, bah, il faut qu'il soit en confiance. S'il est inquiet, en fait, et pour des raisons d'ailleurs purement physiologiques, en fait, quand on a une inquiétude, qu'on n'est pas rassuré, qu'on a peur, quoi, en gros… il y a des degrés, hein, mais que tu vois, qu'on n'est pas bien dans le groupe, tout ça, ou qu'on se sent dominé par quelqu'un, ou qu'on se sent obligé de faire un truc, etc. Mais en fait, la peur, en termes chimiques, en fait, ça bloque la neurotransmission, en fait, la peur. Mmh. Parce qu'on se protège, et c'est normal. Donc, du coup, bah, si on est en état de crainte, bah, en fait, on va bloquer l'apprentissage ou l'ouverture ou l'enrichissement, quoi. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, la responsabilité qu'on a quand on est tenant du cadre, c'est que les gens se sentent en confiance. C'est précisément ce que tu fais quand tu te dis, bah, allez, on se fait une petite méditation avant de voir le film. Et quand, même dans la manière dont tu le racontes, tu dis, bah, il y en a qui l'ont pris, qui ont fermé les yeux et tout, il y en a non. Mais tu ne les as pas jugés pour ça. Et du coup, même si ils ne font pas ce que tu leur as dit de faire, eh ben, c'est ça qui va faire qu'ils se sentent en confiance. Parce que toi, tu dis « on va faire ça », il y en a qui ne le font pas, tu ne les forces pas, eh ben, du coup, ça donne un cadre de confiance. Alors qu'on pourrait se dire de façon superficielle « oh, ils ne respectent pas la consigne, donc le cadre n'est pas tenu », alors qu'au contraire, le fait qu'ils ne respectent pas la consigne et qu'eux-mêmes soient respectés dans cette liberté, eh ben, c'est ça qui fonde un cadre solide, en fait. C'est toujours ce même paradoxe qui revient sans cesse, hein, dans les fondements, c'est intéressant. Et ouais, et il est essentiel, ce paradoxe, en fait. C'est si tu veux, si on prenait une image, je ne sais pas pourquoi j'ai une image d'un tissu, c'est un canevas assez souple.
Mais s'il n'y a pas le canevas, il n'y a rien qui peut s'accrocher dedans. Mais s'il n'est pas souple, ça va casser. Ça ne va pas être, tu vois. Donc c'est paradoxal, mais pas tant que ça, en fait. Ça paraît paradoxal, alors qu'en fait, ça, au fond, ça ne l'est pas, je crois. Ouais, c'est vrai. Ce cadre, alors je vais prendre une autre référence, c'est Freinet, Célestin Freinet. Parce que Célestin Freinet, donc, qui était un pédagogue, alors je ne sais pas si tu connais trop bien la méthode Freinet. Ma mère était instite, ma copine Charlotte a utilisé, mais après, moi, je ne l'ai pas, j'ai pas lu, je ne suis pas dans le détail, ouais. Tu vois plus que moi. Il a beaucoup travaillé avec les outils, en fait, Freinet. Et du coup, si tu veux, Freinet, la méthode Freinet qui se conceptualise, on va dire, un peu avant, après la Seconde Guerre mondiale, quoi, si tu veux, elle va synthétiser d'autres méthodes pédagogiques. Elle est assez souple, justement, contrairement à d'autres. Par exemple, tu prends la méthode Montessori, qui est très intéressante. Mais la méthode Montessori, c'est hyper précis. Pourquoi pas, hein, je veux dire, Freinet est beaucoup moins précis dans les formalisations et dans le formalisme. Mais je trouve qu'il est plus clair dans, justement dans ces questions du cadre. Alors, pour te le résumer, parce que c'est assez simple, ça rejoint ce que je vais te dire, c'est bien de prendre des références aussi. Il y a la question de la finalité, c'est-à-dire on va faire un projet, on va créer quelque chose ensemble. Mmh. C'est pas, on ne va pas apprendre pour apprendre, on va fabriquer quelque chose ensemble. Et ça, dans les ateliers de création d'images, c'est complètement lié. Mmh. Donc, on a un but. Ce but, il est réel. Donc, il a beaucoup utilisé l'imprimerie. En fait, il a utilisé l'imprimerie, la radio et le cinéma, Freinet, dans ses méthodes pédagogiques. Mais beaucoup plus l'imprimerie. Les autres, c'était le début. Parce que les techniques étaient quand même plus lourdes, quoi. Alors que l'imprimerie, tu vois, avec c'est une petite imprimée, mettre des caractères, enfin, tu vois, c'est des machines assez simples, en fait. On peut imprimer un journal. Sa classe, en fait, créait le journal du village. Ce n'était pas le journal de l'école. Ouais, excellent. Voilà, il y a une finalité. La communauté, quoi, ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas juste au sein de la classe, on apprend tout seul et puis… Non. Donc, ça, c'est un point vachement important de méthode, si tu veux. Pourquoi ? Parce que s'il y a une finalité, tu ne te positionnes pas du tout pareil. Tu es responsable du monde, quoi, en fait, de ce que tu vas offrir au monde. Tu n'es pas hors du monde. Alors, Freinet, il a un point de vue politique extrêmement clair, c'est-à-dire que pour lui, il y a deux approches de la scolarité. L'approche où on va dire ben, le monde est comme ci, comme ça, donc à l'école il faut qu'on apprenne aux gens ben, c'est quoi, comment le monde fonctionne pour que ces gens soient adaptés au monde, si tu veux. C'est une vision qui n'est pas la sienne, et lui sa vision c'est de dire mais en fait à l'école on va inventer le monde, et du coup on va faire un monde idéal dans cette école. Et du coup, bah, quand ces gens vont devenir adultes, bah, ils vont changer le monde. Mais bien sûr. Tu vois, c'est deux points de vue complètement différents. Donc, c'est ce qu'on appelle un point de vue révolutionnaire, en fait. Hein. C'est l'étymologie, et il le dit comme ça. Je pense que c'est un point assez important parce que c'est dire aux gens, vous avez du pouvoir sur la réalité, quoi, sur votre propre réalité. Mais du coup, vous allez changer le monde. Enfin, chacun a son niveau, bien sûr, mais le monde n'est fait que de plein de petites choses côte à côte, quoi, en relation. Donc, on n'a pas tellement plus d'action qu'à son propre niveau, de toute façon. Il y a donc la finalité par rapport à ça, et qui est une éthique quand même, et qui est en fait un positionnement politique très radical, en fait. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est l'école de la révolution, quoi. Hein, pas la révolution russe violente, hein, la révolution intérieure. Et la découverte de soi et tout, quoi. Échange. Et l'autre chose, c'est l'outil. Freinet, il donne l'outil. C'est-à-dire que, mais il faut qu'il y ait un outil. Alors, il y a plein de sortes d'outils, mais en l'occurrence, et c'est vrai que l'imprimerie, c'est assez simple comme outil, c'est fabriquer un journal. Donc, cet outil, il se déploie dans plein de dimensions, c'est-à-dire, il y a l'outil technique,
mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va raconter dans ce journal, comment on va structurer le journal, est-ce qu'il y a des parties, il y a combien de pages, est-ce qu'on interview des gens, est-ce qu'on fait des enquêtes, est-ce qu'on fait de la poésie, est-ce qu'on fait, enfin, tu vois, c'est en tout cas là où il y a l'outil, c'est que ce sont les enfants qui fabriquaient le journal de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'impression et la distribution. Et du coup, bah, ils ont pris en main l'outil, tu vois, et c'est eux qui faisaient. Et lui, bah, il était là pour accompagner ce faire. Ce n'était pas lui qui le faisait. Ouais. Et ce qui lui a valu d'ailleurs ce qu'on a appelé l'affaire Freinet dans les années 40, je crois. Je ne sais plus si c'est avant-guerre ou après-guerre. Où en fait, il y avait une des rubriques dans le journal où c'était un enfant qui racontait un rêve, en fait. Et bah lui, c'était pas lui le rédac chef hein, du journal, c'était les enfants qui décidaient, donc avec des fonctions qui peuvent varier, etc. Et en fait, bah, il y a eu un enfant qui racontait son rêve, et son rêve, c'était que Monsieur Freinet tuait le maire de la ville. Oh le bordel! Mes parents. Donc c'est publié, mais c'est présenté comme un rêve. La fiction. Tu peux imaginer, c'était un village dans le sud-est de la France, quand même des gens souvent pas très futés. Et du coup, on a tout vu la lettre. Voilà, tous les gens hyper réac qui étaient complètement contre cette espèce d'école libre, délirante, dangereuse, évidemment, pour la société, etc. Ils ont utilisé ça contre lui. Il a eu un procès et tout, que c'était vraiment dégénéré ce qu'il faisait aux enfants. Le bordel, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ce qui n'est pas inintéressant là-dedans, c'est donc qu'il a eu plein de problèmes juridiques à cause de ça. Mais ça a aussi fait parler de lui, et comme c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'organisation, la publication, d'organiser des colloques de partout dans le monde entier, etc., ça a finalement contribué à sa notoriété. Ben aussi. Oui, le scandale, quoi. Les bienfaits du scandale. Un autre paradoxe. Donc, si tu veux, voilà, tout à fait. Mais du coup, l'outil, pour moi, c'est un point vachement important. Donc, ouais. Pour finir sur les concepts et ensuite rentrer dans des choses peut-être plus concrètes dans ce qu'on fait, c'est lui qui est le maître d'école, c'est lui qui crée le cadre, c'est lui qui dit aux enfants c'est vous qui allez faire le journal, c'est lui qui leur donne l'outil, c'est lui qui les responsabilise, s'ils ont des problèmes, c'est lui qui va les aider. Donc en fait, il est extrêmement actif et c'est beaucoup plus difficile à vrai dire de tenir un cadre comme ça parce qu'il faut qu'il accompagne les gens et ça va peut-être aller à des endroits qu'il n'avait pas imaginés. Mais il y a une petite clé là-dessus. Moi, c'est une petite technique que je donne aux gens. C'est que quand tu proposes une pratique à des gens, si toi-même, tu t'ouvres à être transformé par ce qui va se passer, tu n'en sais rien. Peut-être il y a des fois, il ne se passe rien. Mais si toi-même, tu envisages que toi, tu peux être transformé toi aussi par cette situation, eh bien, c'est bon signe. Ça veut dire que… Et alors, souvent, les gens… Ça fait peur aux gens parce qu'ils disent ben « Alors, ça veut dire que je tiens rien. Moi, je dois être justement rassurant et tout savoir. » Tu vois, cette espèce de position de sachant. Mais en fait, non. Et c'est ce que je dis beaucoup à des enseignants, si tu veux, qui ont… En fait, ils ont peur. On peut avoir peur d'être destitué de notre place. Oui, parce que du coup, on a peur que ce soit le bordel, qu'il y ait une prise de pouvoir, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas être destitué de notre place. C'est impossible parce que c'est toi qui animes l'atelier, ce sera toujours toi. Le prof, c'est lui, Freinet, c'est son école, je veux dire. Donc, en fait, cette crainte qu'on a d'être destitué, elle est imaginaire. On ne peut pas être destitué, on est. Quoi. Mais ça demande d'avoir travaillé sur soi pour être suffisamment solide pour ne pas avoir peur de ça. C'est un pouvoir, en fait. Nous-mêmes, on a, tu dis, je donne du pouvoir aux gens, mais toi, tu en as aussi. Ouais. Et du coup, si tu veux, souvent, on confond le pouvoir et l'abus de pouvoir. C'est ça. C'est pas la même chose. Mais oui, évidemment, t'as raison.
Et comme on est dans des structures, si tu veux, dans des systèmes globalement qui fonctionnent sur des dominations, en fait, des dominations par beaucoup par la violence, qu'elle soit psychologique, physique ou sociale, hein, bah, du coup, on a peur, comme on est pris dans ces représentations de domination, on a peur, si on donne le pouvoir aux autres, qu'ils se révoltent, en fait, et qu'on se fasse complètement désinguer. C'est pour ça le groupe. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on ne dépasse pas cette peur, c'est-à-dire que si on ne fait pas un moment confiance aux gens, bah en fait, on n'y arrivera jamais. Ouais. Mais attention, la confiance, ça se construit en fait. C'est-à-dire que c'est en sachant quel est son pouvoir, en pouvant l'exprimer aux autres. Moi, très souvent, je dis à des gens, je dis, bah voilà, là, on est dans le groupe. Là, c'est moi qui suis dans la dans le rôle, en fait, ça n'est qu'un rôle, en fait, qui suis dans le rôle d'animer ce groupe et je vais vous proposer des choses et tout. Mais demain, c'est peut-être toi qui pourrais… Enfin, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui anime, d'ailleurs. Tu vois, c'est pas t'as pas plus de… Tu fais pas partie d'une caste, si tu veux. Tu n'es pas partie, si tu veux, tu vois. Non, moi, je suis stagiaire, hein, ça m'arrive souvent. Mais oui, bien sûr. Donc, du coup, ça, je pense que… C'est, à mon avis, important, justement, cette question de la liberté, de dire, OK, là, on va jouer comme ça. C'est moi qui vais vous dire quoi faire, en fait, là, aujourd'hui. Ouais. C'est pas parce que je vous le dis là que ça vous met en… C'est pas pour ça que c'est moi qui vous domine. C'est juste, est-ce que vous acceptez les règles de ce jeu-là, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu, et c'est super. Et du coup, c'est chouette de jouer à un jeu avec quelqu'un justement qui tient un peu les rênes et à l'intérieur, tu vas t'exprimer. C'est très agréable, en fait. Ouais. Dès lors que tu ne te sens pas justement dans l'abus de pouvoir. Ouais. Tout ça pour dire que c'est vachement difficile, c'est vachement de travail, en fait, de porter ce cadre. C'est pas du tout… voilà. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'abus de pouvoir et de forcer les gens à des choses parce que… Bah, on leur crie dessus, on les menace de que sais-je, enfin ça dépend. Et puis voilà, souvent il y a dans les interventions artistiques, il y a cette espèce de binôme un peu dur où en gros tu as les jeunes dans un établissement scolaire, disons, l'artiste qui vient faire son truc et l'enseignant qui fait la police en fait. Ben oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Hein. Oui, bah, moi, je m'occupe de la discipline. Comme ça, tu peux tranquillement faire ton travail. Ça ne marche pas du tout, d'ailleurs. Ben, ça ne peut pas marcher, en fait. Parce qu'en fait, il y a une sorte de surveillance, si tu veux, permanente. La pression. Voilà, c'est ça qui font que comment tu veux que les enfants ils puissent s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Ouais. Et ils ont leur peur, elle est justifiée, en fait. Donc, ils vont devoir décoder. C'est hyper intéressant. Ah ouais. Quelle est l'attente de l'artiste ? Comment j'y réponds et tout, pour finalement ne pas me faire violenter par mon prof, quoi. C'est ça. Oh, yeah, ouais. Ça, c'est moyen, quoi. c'est pas épanouissant, quoi. Il n'y a pas la confiance, c'est le contraire de la confiance. On ne leur fait pas confiance, en fait. On les surveille. Exactement, exactement. Wow. Mais comme on a tous des habitudes sociales qui ne sont pas sur la confiance, si tu dis à des gens « maintenant, on se fait confiance », en fait, tu vas fabriquer une sorte de loi de la jungle où vont se reproduire des systèmes, des mini-systèmes de domination, etc. Et en fait, tu ne fais pas mieux, en fait, finalement. Oui. Moi, je crois beaucoup que l'outil et la finalité aident à ça, aident à cadrer aussi. Alors, je vais te donner un exemple. Moi, je fais souvent, des ateliers de réalisation de films à partir de papier découpé. Le concept, c'est une table, si tu veux, où il y a plein de papiers que tu peux découper. Donc, après, ça peut être des corpus précis ou pas. Enfin bon, on fait du découpage comme quand on fait du collage, si tu veux. Et ça fait juste être un collage animé, en fait. C'est exactement la même pratique que le collage, sauf que c'est animé. Et ensuite, on va filmer en plan séquence, donc sans montage, si tu veux, une animation. Donc, il y en a, ils ont découpé des personnages, ils les ont accrochés à des petites barres de bois, ils font bouger des personnages. Il y en a, ils ont prévu des feuilles avec des trous, ils les enlèvent, tu découvres petit à petit. Enfin, tu vois, chacun va inventer sa forme.
Et du coup, si tu veux, par exemple, un atelier comme ça, tu te dis aux gens, bah, en fait, toi, t'amènes les paires de ciseaux, t'amènes les papiers, t'amènes tout ça, t'expliques, si tu veux. Bah, si tu veux, les gens, ils arrivent, ils ont un outil, ils ont un truc à faire. Si tu veux, alors pour donner une autre référence, en psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le tiers symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es en relation à deux personnes, si tu veux, c'est ce qu'on appelle une relation duelle. Enfin, voilà, et duelle. Et en fait, du coup, bah, c'est compliqué. Être juste à deux, en fait, on ne sait pas comment se situer. Et le tiers symbolique, c'est ce tiers qui, là, en l'occurrence, c'est le papier à découper, si tu veux, qui peut être un outil. Hein. Et c'est ce tiers qui va permettre que nous soyons dans une relation saine et non pas dans une relation duelle, en fait. Et donc, du coup, tu dis aux gens, bah, voilà, vous allez découper. Et puis, à partir de ce que vous… Bah, en découpant, vous allez trouver des idées. Il n'y a pas un scénario préétabli. Si on dit on écrit un scénario avant et on va chercher les images pour illustrer notre scénario, on a tout perdu, ça ne va pas marcher, ça. Parce que, justement, c'est une contrainte, ce n'est plus un cadre. Alors que le scénario peut être une contrainte, en fait, ou un cadre. Ça dépend du type de scénario et du type de film. Et ça, tu le sais. Et du coup, si tu dis, bah, vous allez découper et les idées, elles vont venir. Bah, en fait, ça, c'est un cadre. Parce que, et moi, j'ai fait ça avec des gens, et je vais le faire un certain nombre de fois d'ailleurs cet été, et notamment, et ça, je ne l'ai jamais fait encore avec des gens qui ont des handicaps mentaux, donc ça, je vais le tester. Des gens, même des jeunes difficiles, entre guillemets, moi, ça m'intéresse d'avoir les groupes les plus difficiles possibles, si tu veux, parce que j'apprends plus, quoi. Et du coup, pendant, je ne sais pas, 1h30, tu as des gens les pires de la Terre qui sont violents, etc. Ben, ils sont en train de découper. Oh, ils découvrent des images, tu vois. Parce que tu as un outil extérieur à toi, tu vois, que tu as la maîtrise, tu as ta paire de ciseaux, tu fais ce que tu veux, tu oses couper un truc. En fait, ce qui se passe en toi quand tu fais ça, ça paraît simple, découper des papiers, ça paraît truc de maternelle. Mais c'est hyper fort, en fait, ce que tu crées, ce que tu construis, etc. Donc, c'est ça un outil. Et c'est ça, donner le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que c'est pas toi, tu crées tout le cadre et ensuite, bah, y a pas de problème. Ils sont là en train de découper leur truc. Tu peux leur faire confiance de ça. Enfin, je veux dire, et s'il y en a qui discutent ou s'il y en a, on s'en fout, ça gêne pas les autres. Enfin, tu vois, et après, le groupe, il se régule de lui-même. Tu vois. Pour revenir à la question de la finalité, et de l'émancipation, on va dire. Quand on fait quelque chose, imaginons, je continue sur cet exemple du papier découpé parce qu'il est simple. Les gens font un film et tout, ils découpent leur truc, ensuite ils font leur petit tournage. Ils ont fait leur film, disons. Souvent, je le fais de diverses manières, cet atelier, mais souvent, moi, je fais faire aux gens des films muets. Ce qui fait que dans une même salle, tu peux avoir plusieurs tournages en parallèle et on peut se parler pendant qu'on filme. Ah tiens, vas-y, passe-moi le truc. Et en plus, comme il faut en même temps filmer, en même temps mettre les papiers, etc., ouais, et que c'est en plan séquence, souvent, on va s'aider les uns les autres. Ah, tu veux pas m'aider ? Enfin, tu vois, il y a un truc. Ouais. Et on peut se parler, c'est détendu. Et du coup, je leur fais travailler vraiment l'aspect uniquement visuel. Donc, il peut y avoir du texte, il peut y avoir des images. Enfin, mais en tout cas, ça doit raconter quelque chose. Et souvent, je mets un objectif. Récemment, j'ai fait un truc avec des gens pour la ville des Lilas, là, où ils travaillent sur la question des rapports femmes-hommes, tout ça. Ben voilà, fallait faire des films dans le but à ce que ces films puissent être montrés à des gens et puissent être le point de départ d'une discussion sur la question des rapports femmes-hommes. Donc, tu vois, la finalité, elle est forte. C'est-à-dire, ce n'est pas juste on va faire un film pour expérimenter des techniques. C'est qu'on va faire des films qu'ensuite, ils vont être diffusés et vous allez les avoir, les films, et vous allez pouvoir les utiliser comme des outils pédagogiques. Parce que je proposais ça à des animateurs, tu vois. Donc, la finalité, elle peut être différente en fonction des personnes. Mais s'il n'y a pas une finalité forte, c'est cette question d'avoir quelque chose d'un peu difficile à faire, mais pas trop difficile quand même, qui fait que tu te sens en capacité de faire,
mais en même temps, tu te dépasses un peu. Mais si c'était trop dur, tu serais découragé, tu n'arriverais pas à le faire. C'est cette espèce d'énergie, si tu veux, de se dépasser. Et en fait, quand tu as un objectif fort, une finalité forte, genre faire des films qui vont être des objets pédagogiques, des outils pédagogiques, tu te dis waouh, mais je suis pas capable et tout, mais en même temps, tu te sens quand même un peu capable. Donc, tu vois, ça t'amène à faire plus en fait pour toi, tu vois. Alors que si on te disait tu vas apprendre à faire un film d'animation en papier découpé, mais tu vas pas aller aussi loin, tu vois, s'il y a pas de finalité, tu vas pas autant sortir des choses, te découvrir à toi-même aussi. Donc, bref, les gens font leur petit film. J'en reviens à la mécanique de l'atelier. Mmh. Ils ont fait leur truc. Mmh. Ils ont fait de leur mieux. Mmh. Mais malgré tout, ils ont un jugement extrêmement dur sur ce qu'ils ont fait. Aïe, aïe, aïe. C'est hyper rare. Moi, pour ce que je fais, je l'ai aussi. Toi, je pense aussi. C'est vrai. Voilà. Et nous aussi, on l'a. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a l'expérience et tout qu'on n'a pas un jugement. Nous aussi, on trouve que c'est tout pourri, c'est nul, c'est incompréhensible, c'est mal fait, il y a des problèmes techniques. Enfin, chacun a ses critères, si tu veux, de nullité. On en rajoute. On est efficace là-dessus. Hein. Ouais, on est très, très bon. Et ça, c'est un point pour moi hyper important, ce point-là, c'est que si tu t'arrêtes là, c'est assez rude, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, mais l'atelier n'est pas terminé à ce moment-là pour moi. En fait, pour moi, il est extrêmement important dans ma méthode de regarder ensemble et d'en avoir le temps suffisant pour regarder ensemble ce que les uns et les autres ont fait. Mmh. Et vu à la base, chacun du coup, c'est un peu risqué à faire un truc, etc. Au moment où on regarde ensemble ce que les uns les autres ont fait, c'est pas la peine de dire faut être bienveillant les uns avec les autres. Je veux dire, c'est même pas la peine de le dire, c'est une évidence. Oui. On a tous galéré à faire des trucs nuls, on a tous les boules de le montrer aux autres. C'est pas la peine de dire soyez bienveillant, on y est déjà depuis le début en fait, si tu veux. Et que justement, la bienveillance, c'est un état d'être avec les autres. C'est pas, on peut le dire, mais ça sert à rien parce qu'on va surveiller si tu es bienveillant. Enfin, je vois. N'importe quoi. Non, c'est l'écoute quoi, l'écoute. C'est ça. Et l'écoute, elle vient de soi, c'est-à-dire et ça c'est un point hyper important. Est-ce que ces gens avec pour qui j'encadre quelque chose, est-ce qu'ils sont importants pour moi? Est-ce que je pense qu'ils ont quelque chose à m'apporter, à apporter? Et c'est pas facile, hein, parce que parfois il y a des gens, ils nous sont très étrangers et c'est difficile d'imaginer qu'ils vont être enrichissants pour les autres. Donc c'est un vrai travail sur soi de s'assouplir. Et c'est pas d'être bisounours, mais de se dire ça m'échappe, mais faut que je laisse la place parce que je sais pas, on verra quoi. Donc le fait de regarder ensemble ce que les uns les autres ont fait, c'est une épreuve assez terrible et que moi je ritualise beaucoup, c'est-à-dire que ce moment on regarde ensemble, je le ritualise déjà dans le temps que j'y laisse. Alors tu vas me dire, mais comment on fait avec très peu de temps? Je te répondrai à cette question après, parce qu'elle est importante. C'est pas théorique tout ça, c'est pratique. Donc du coup, il faut avoir suffisamment de temps et puis d'investir le lieu, faire le noir, s'installer bien, préparer son ordi pour que ça marche tout de suite, qu'il n'y ait pas 1000 problèmes techniques, tout ça. Et du coup, souvent, donc par exemple, faire le noir. Parfois, tu es dans des salles, c'est pas noir. Ouais. On va faire le noir ensemble. Moi, c'est d'ailleurs souvent, ce sont des choses que je fais en préambule. On est dans une salle merdique, il y a des fenêtres, voilà. Et je vais peut-être passer avec les gens, 20 minutes, à transformer cette salle en une salle de cinéma. Ouais, d'accord. Et ça crée un cadre, c'est physique. Tu vois, tu parlais de l'investissement physique, on bouge. On va chercher des sacs poubelles, on les scotche aux fenêtres, on bouge les chaises, on ose. Et
En fait, c'est une méditation en réalité. Hein, bien sûr, tout. Pratique. Ouais. Voilà, pratique, sauf que c'est simple. Ok, ben, on organise cette salle pour en faire une salle de cinéma. Donc, tu n'es pas en train de dire maintenant, nous allons méditer. C'est un truc pratique, quoi. Donc, et pourtant, il faut le faire en plus. Voilà, et ça a exactement le même effet, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, mais il y a des groupes, ils sont contents qu'on leur dise maintenant, on va faire une méditation. Ça dépend des gens, en fait. Il y a pas de. Là, ça s'y prêtait, ils sortaient d'examen et tout. Ouais, mais moi, je le fais souvent aussi, même en visio, je fais fermer les yeux aux gens. Enfin, je fais bref. Donc, je en explicitant aussi le dispositif parfois. Ce moment où on va regarder ensemble, on n'est pas pressé, parce que si on est pressé, on va pas être pleinement réceptif. Ouais. Si Dieu, on ne sait pas regarder pour regarder. C'est regarder pour découvrir ce que les autres ont fait. Mmh. Moi, mon truc, je considère qu'il est tellement nul que de toute façon, il vaudrait mieux pas le montrer. Mais par contre, découvrir ce que les autres ont fait, ça m'intéresse en fait. Mmh. On est tous dans la même histoire et a priori, ça m'intéresse. En plus, c'est des trucs courts, ça va pas prendre longtemps, donc c'est chouette si tu veux, c'est pas. Et du coup, finalement… on est tous ouverts les uns aux autres à ce moment-là parce qu'on a envie de savoir ce que les autres ont fait. Mmh. Et en plus, c'est en grand, on projette et tout. Du coup, c'est assez impressionnant, etc. Et en fait, à ce moment-là, ce qui est très, très fort émotionnellement, c'est le moment où c'est mon film qui va passer. Mmh. Là, c'est l'horreur. C'est pour tout le monde. J'ai juste envie de me mettre sous la terre, etc. Et en fait, pendant la projection, je vais sentir qu'en fait, bah, les gens y reçoivent. Ils sont pas en train de trouver ça nul, en fait, parce que c'est rare que ce le soit. Même ça n'a pas trop de sens, le simple fait de le dire. Mais donc déjà, je vais ressentir dans la qualité du regard des autres que mon truc, en fait, il n'est pas si nul. C'est le regard des autres qui me permet de cristalliser le fait que ce que j'ai fait a une valeur. C'est pas moi qui ai une valeur. Le côté, on va valoriser les gens. Je suis tout à fait opposé à ce type de. Je trouve ça très violent, en fait, de valoriser, mais ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui vient par l'extérieur. C'est pas, pour moi, c'est pas sain de valoriser. Mais par contre, que je me rende compte que ce que j'ai produit, qui est ce tiers, c'est pas moi, c'est quelque chose d'extérieur. Hein. C'est moi qui l'ai fabriqué, mais c'est un objet qui est devenu extérieur à moi. A une valeur, c'est-à-dire a été intéressant pour d'autres personnes, bah, c'est hyper important de m'en rendre compte. C'est crucial pour moi. C'est à ce moment-là où ça prend sens, en fait, parce qu'on vit la finalité. C'est-à-dire un film, ça enrichit d'autres personnes, en fait. C'est ça la finalité d'un film. On le vit, on est là et ça se passe, en fait. Ça se passe en vrai. C'est essentiel parce que si on ne va pas jusque-là, bah, quel chemin, parce qu'en fait, on fait un cadre pour que les gens ils fassent un cheminement, tu vois. Chacun fait le cheminement qu'il veut, mais il faut quand même qu'il y ait le bout du chemin, quoi. Sur la question du temps et de la technique qu'on emploie, de la technique audiovisuelle, tu vois, si c'est avec l'audiovisuel, j'ai toujours été de toute façon assez critique sur les, et je comprends de mieux en mieux pourquoi, sur les méthodes de travail corporatistes, professionnelles et toutes les méthodes d'organisation de la fabrication des films, en fait. Ouais. Ça m'a toujours, je ne me suis jamais senti, moi, à l'aise avec ces choses-là parce que bon, c'est des méthodes, mais ça pourrait être d'autres, en fait. C'est des méthodes qui produisent un certain type de film. Ce qu'on produit est en écho de la méthode qu'on emploie pour le faire. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les pratiques artistiques et dans les ateliers, l'espèce de dimension, c'est un professionnel, alors il va… Vous apportez des méthodes de comment font les professionnels, si tu veux, avec cette espèce de hiérarchie. Les professionnels, ils savent faire, puis nous, on va voilà. Et souvent, on est positionné comme ça. Et en fait, je pense que, comment dire, ce qui est important, c'est la rencontre. Pourquoi on est professionnel? Parce qu'on a une pratique plus que les autres de fabrication de films, disons, ou d'autres choses. Toi, tu as plein d'autres pratiques, donc tu viens riche de qui tu es, du fait de ce que tu as fait dans ta vie. Ça fait partie de ton identité et de ce qui émane de toi, finalement. Et du coup, bah, c'est soi empli de tout ça, et on va rencontrer des gens et on va voir ce qu'on fait ensemble.
c'est là où c'est intéressant qu'il y a un professionnel, dit-on, si tu veux. C'est pas tant pour transmettre des pratiques, parce que peut-être on va les inventer avec les gens, tu vois. Donc, mais par contre, on va les inventer de là où on est, en fait, tu vois, de là où on parle, où on est, quoi. Donc, moi, je me permets, dans les ateliers, de me dire, la finalité, c'est pas de transmettre des pratiques professionnelles, parce qu'en plus, elles sont ce qu'elles sont, mais bon, pour moi, la finalité, c'est que les gens, ils fassent des images, qu'ils les voient ensemble, et que du coup, ces images rentrent dans la réalité d'un échange humain, en fait, si tu veux, et qu'elles soient enrichissantes pour les autres, même si c'est juste au moment de la projection, tu vois. Et du coup, comment je vais inventer une façon de fabriquer les choses qui me permet d'aller au bout du chemin. Et de fait, les pratiques professionnelles qui sont globalement assez lentes, en fait, elles sont difficiles. Elles ne sont pas très opérantes, si tu veux. Pour, par exemple, le fait d'écrire un scénario avant, déjà, tu exclues par le langage plein de gens qui ne se sentent pas à leur aise avec ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas, dans certains cas, écrire des scénarios. Je n'ai rien contre le scénario. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas forcément le meilleur outil. J'en reviens à l'outil. Tu vois, Freinet, je te disais tout à l'heure, l'imprimerie, c'est du concret, on a la maîtrise sur l'outil. Le cinéma, à l'époque, ça coûtait cher, fallait développer tout ça. Enfin, tu vois, ce n'était pas un outil où il pouvait être aussi autonome que l'imprimerie, tu vois. Alors que la radio, par contre, plus, tu vois, il y a un émetteur radio, tout ça, c'est plus concret. Moi, je questionne ma méthode concrète de comment je vais faire par rapport au temps que j'ai, en fait. Le temps est un élément hyper important pour moi, quand bien même tu as un groupe avec plusieurs séances, tu vois, pas souvent, parfois c'est une séance, parfois c'est plusieurs séances. Oui. J'ai, moi, l'exigence que dans chaque séance, il y ait tout ce processus, même si c'est partiel, mais qui est qu'on aille au bout de quelque chose et de montrer aux autres, etc., d'avoir ce moment-là. Moi, je me sens à mon aise avec cette façon de faire. Voilà, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien. Qu'il y ait des étapes successives et qu'à chaque fois, on aille au bout du chemin, en gros, de se reconnaître dans le regard de l'autre, quoi, en gros. Tu sais, tu as des groupes captifs, comme on dit, et on est très bien trouvé, parce qu'en effet, les établissements scolaires sont des lieux de captivité, hein, ce n'est pas autre chose, hein, c'est, il faut le reconnaître. Voilà. Et des publics non captifs. Et en fait, quand tu as des publics non captifs, si tu proposes un truc sur plusieurs jours, c'est chouette pour les gens et pour toi que les gens y reviennent le lendemain. Bah oui. Mais si au bout d'une première journée ou d'un premier atelier, ils ne sont pas allés au bout, ils ont l'impression d'être complètement nuls, tu vois, qu'ils ne sont pas allés au bout du chemin, ils ne vont pas revenir le lendemain parce qu'ils se sentent tellement nuls, ils ne peuvent même pas revenir. Alors, il y a des gens suffisamment solides qui peuvent le faire. Ouais, je comprends. Mais c'est potentiellement excluant. Alors, c'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup le plan séquence. Tu fais, c'est très collectif en plus. Tu vois, et c'est vrai que se passer une caméra de main en main, c'est de la chorégraphie en fait, parce que où est-ce qu'on est dans l'espace, qu'est-ce qu'on fait. Il y a vraiment quelque chose du travail avec le corps qui est très présent, en fait, très fort. Et ça fait que après le film on le regarde tout de suite. On sort et on le regarde. Et moi, si tu veux, juste pour te donner une petite technique, déjà dans les ateliers, moi j'ai tout le temps l'œil sur la montre, tout le temps. Et c'est là où c'est mon rôle de tenir le cadre, c'est-à-dire si je me dis oula, ok, là ils prennent plus de temps pour faire leur film par exemple, c'est beau, ils sont motivés, tu vois, donc tu ne vas pas non plus les frustrer. Voilà, donc je me dis, ouais, mais il faut qu'on ait le temps de la projection. Alors, comment je fais? À quel moment je leur dis d'arrêter? Comment? Et du coup, je l'anticipe vachement. C'est-à-dire, j'essaie, moi, d'avoir tout le temps, moi, la sensation d'avoir le temps pour qu'eux, ils aient cette sensation-là. Et c'est complexe, hein. Mais pour c'est intéressant. Le temps, c'est c'est un des grands sujets pour moi de la tenue du cadre, en fait. Parce que eux, vu que tu les as mis en confiance, ils sont libres. Ils font le film qu'ils veulent. Si tu passes l'appareil de main en main, par exemple, et que tu dis, je sais pas, vous filmez, j'en sais rien, imaginons, on va dans un petit bois, tu vois, et on se passe la caméra de main en main, et chacun filme
un élément végétal. Et pendant que vous le filmez, vous faites le son de la respiration de cet élément, tu vois, par exemple. Et ça, je peux te dire que ça peut faire un truc assez joli, hein, tu vois, parce que du coup, bah, chacun va inventer la respiration de la feuille, de l'herbe, de la terre, enfin, tu vois. Ouais, carrément. Et ben, ça, c'est assez rapide à faire, tu vois. La consigne, elle est simple. Je vais tenir la consigne. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui disent, ah ouais, non, mais moi, je veux faire un vrai film qui raconte une histoire et tout, ça, c'est nul. Enfin, tu vois, des choses. Ah. Ça va pas être possible. Je dis, bah, non, mais. J'ai rien contre et tout, peut-être la fois suivante, mais là, on va faire ça, c'est pour expérimenter et tout. En tout cas, je suis prêt, moi, à simplifier mon dispositif. C'est-à-dire, je préfère aller plus vite, me détacher, si tu veux, moi-même de mes attentes, si tu veux, de ce que je voulais faire, de ce qui me semble intéressant artistiquement et tout et tout. J'essaie d'être un peu détendu par rapport à ça pour avoir le temps de regarder ensemble. Ça va, là, je te parle d'un atelier pédagogique, on va dire. Et j'ai fait une installation vidéo pérenne dans la salle d'attente d'un hôpital. On m'a demandé ça. C'est une salle d'attente et la salle d'attente est devenue une salle de cinéma, en fait. Et les gens qui sont tout cassés sur leur brancard, sur leur machin, qui attendent de se faire soigner, si tu veux, ben, en fait, ils ont des images de nature. En fait. Ah, génial! Ouais. Ça veut quoi? Excellent. Je t'enverrai les docs, si tu veux. Ouais. Là où je fais le lien, c'est que faire ça, c'était une installation, un projet artistique. Au départ, c'était une projection au sol que je voulais faire pour que ce soit assez discret. C'est une installation technique, un vidéoprojecteur, les normes techniques, l'hôpital, machin, bidule. Et surtout, c'est une installation pérenne qui doit durer le temps qu'elle durera, mais disons, je sais pas, 10 ans, tu vois, disons, un truc comme ça. Et il faut donc qu'elle soit appropriée par le personnel de l'hôpital. Parce que sinon, ils vont l'éteindre. Si c'est pas, oui. Tu vois, il faut que ce soit leur truc. Tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu cette question de la place, si tu veux, de l'autre. Et du coup, dans ce travail, je suis allé plein de fois dans cet hôpital et tout. Et en fait, on va dire peut-être 15 ou 20% du temps, ça a été l'aspect artistique et technique. Et 80% du temps, c'était travailler avec eux, les rencontrer, réfléchir, etc. Enfin, faire tout un tas de situations très concrètes à chaque fois, si tu avec toujours un prétexte concret, mais afin que petit à petit, ça devienne leur projet. Et ça s'est fait sur plus de 6 mois, en fait, où je suis allé plein de fois. Et pour moi, et du coup, on peut dire, bah ouais, mais toi, tu es artiste, en fait, tu fais des belles images et une super installation quand même, c'est déjà génial ce que tu leur apportes. Mais non. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, je ne suis pas sûr de quelque chose, je ne suis pas sûr du sens d'un truc artistique dans un lieu public, si tu veux. Et si je ne passe pas ce sens-là, bah pour moi, je n'aurais pas fait mon boulot en tant qu'artiste. Alors qu'on peut dire, bah, il y a plein de fois, ouais, tu étais sur les escabeaux à bidouiller les trucs avec des... ouais, mais ça fait que maintenant, c'est leur truc, c'est eux qui ont installé, qui ont branché, qui savent comment, etc. Et donc, ça passe par des moments très très simples, en fait, si tu veux. Et du coup c'est cette question du temps. Moi, je savais en partant dans ce projet que j'aurais beaucoup de temps, a priori chiant entre guillemets, et ils étaient surpris parce que c'était le mec de la technique, il est pas là, il est en arrêt maladie. Bon, du coup, c'est l'occasion pour rencontrer autrement, au lieu de se dire fais chier, il est pas là, je suis venu pour rien, j'ai pris le train. Mais non, en fait, il n'est pas là, super, ça veut dire tu ne sais pas, mais ça ouvre une autre porte, en fait. Ouais, c'est ça. Une autre modalité de rencontre avec quelqu'un d'autre. Et il va peut-être se passer là la chose essentielle qui fait que ton truc, il va être vraiment, tu vois. Donc, c'est un positionnement différent et c'est aussi un cadre. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, j'étais hyper rassurant pour eux. Ils savaient que ça se passerait bien, si tu veux. Comme ouais, c'est ça. Si tu veux. Donc, du coup, comme le but de l'installation artistique, c'est que ça détende les gens dans la salle d'attente, l'énergie pour le faire, c'est ça. Dans la même logique, c'est un rôle. Et que si moi, je suis là, putain, fais chier, en réalité, je ne le pense même pas parce que c'est pas comme, je ne me positionne pas comme ça. Je me dis, OK, bon, on va voir, ce qui se passe d'autre. Et des fois, je ne sais pas, je suis parti plus tôt ou quoi, mais pas de souci. Et alors, je vais te dire, juste pour le fait de lâcher sur son projet artistique. Au départ, le projet que j'avais proposé, c'était une projection au sol. J'adore, c'est singulier, c'est original, tout ça. Bon. Et c'était des balades, genre dans la forêt, tu
tu marches et puis tu vois la terre, tu vois les feuilles, et c'était au sol, et si tu as envie, tu regardes ça pendant que tu es assis, tu vois. J'aimais bien cette idée, je l'avais testé, c'était hyper beau quand il y avait de l'eau, super beau, c'était super beau. À un moment, en fait, il y a des normes techniques dans les hôpitaux, il faut qu'il y ait 300 lumens au sol. Ok. Et eux, ils ne savent pas trop. Donc, j'ai acheté un luxmètre, si tu veux, pour pouvoir mesurer, si tu veux. Parce que moi, je dis mon installation. Parce que, en fait, ou alors, il faut un vidéoprojecteur super puissant. Mais en gros, quand la lumière de la salle était allumée, on ne voyait rien au sol. OK, ben, mon projet artistique original, machin, ben, il est mort, quoi. Tu vois. Et donc, du coup, je me dis, ben, merde, parce que j'étais sur mon truc du sol. Donc, je dis, bah, je vais peut-être projeter si je projette des trucs noirs et blancs, tu vois, très contrastés, genre des textes, tu sais, les calligrammes, par exemple, sur le sol, ça va se voir. Oui. L'image de nature, tu vois plus rien, ouais. Un truc très contrasté, tu le vois quand même. Oui. Donc, j'ai fait des essais et en effet, ça marchait. Et c'est la personne de l'hôpital qui m'a dit, mais non, en fait, moi, je veux de la nature, moi. Oui. Par terre, parce que moi j'ai dit à ce moment-là, on va faire des ateliers d'écriture. Enfin, tu vois, moi je suis prêt à m'adapter. Oui, c'est parti sur autre chose. Et elle me dit non, moi c'est pas ça le projet. Et du coup, donc en fait, elle était plus que moi porteuse du sens du projet artistique. Tu avais bien réussi à lui donner la main parce que là, exactement. Et elle a osé te le dire, quoi. Voilà, absolument. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un grand mur dans cette salle d'attente. Enfin, où il y avait des trucs, mais on a tout viré. Bah, j'ai mis le projecteur face au mur. Et ben, sur un mur, bah, même si tu as de la lumière, tu vois quand même vachement mieux qu'au sol. Ah, oui. De fait, finalement, mon installation, c'est un truc hyper classique où c'est une projection sur un mur. Ouais, c'est ça. Ouais, cool. Bah, bravo, Benoît. Voilà, franchement, artistiquement, ouais, t'as inventé des trucs. Projeter sur un mur, ah ouais. Mais du coup, justement, c'est intéressant. Et c'est pareil dans les ateliers. Toi, tu as envie de leur faire faire des trucs super. Mmh. Et parfois, le sens du projet est plus fort que la forme, en fait. L'exigence. Et voilà. Et du coup, ce qui est très intéressant, par contre, c'est que la projection au mur, en fait, c'est plus du tout les mêmes images. Donc, j'ai refait toutes les images. Ah. Je pense que tu l'as compris. J'ai aussi animé des ateliers avec eux. Maintenant, ils peuvent eux-mêmes faire des images, les rajouter, des images. Moi, j'ai lancé un… Et du coup, j'ai eu une réflexion de bah, sur ce mur. Donc, il y a toujours un tiers de sol, deux tiers de ciel. Enfin, après, on peut changer, mais il y a toujours des plans assez larges avec des choses qui bougent, mais petites. Si c'est trop près, c'est trop dans la salle. Voilà, ça vaut le coup de lâcher. Et que tu vois, même sur un truc comme ça où j'aurais pu ne pas lâcher, bah, et en fait, maintenant, c'est eux qui éteignent la salle d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est eux qui le choisissent parce qu'ils bah, trouvent que c'est mieux quand même quand c'est éteint, si tu veux, tu vois. Quand tout part, quoi. Ils ont, quand la dernière fois que je suis allé, parce qu'on a inauguré fin mai, mais je suis retourné une ou deux fois après, bah, en fait, ils avaient complètement bougé les sièges. Ils avaient mis tous les sièges face à l'écran. Donc c'est excellent. Voilà, et ce n'est pas moi. Si moi, je l'avais imposé, ils ne seraient pas restés, tu vois. C'est fait, je ne sais pas qui l'a fait. Mais maintenant, c'est comme ça, tu vois. C'est à Flers, en Normandie. C'est juste pour te dire que cet esprit, ce n'est pas que dans un atelier pédagogique. Okay. Cette question de l'appropriation, du cadre rassurant, etc. Voilà. C'est ton rôle d'artiste, là. Enfin, c'est la philosophie, ton éthique d'artiste, en fait. Hein. Voilà. Et là-dessus, je m'appuie, si tu veux, sur John Dewey. Et en fait, c'était un philosophe pragmatiste américain, début du XXe siècle, dont on parle beaucoup à nouveau depuis quelques années, qui a écrit notamment un bouquin, qui est un recueil d'ailleurs de conférences, qui s'appelle « L'art comme expérience ». Assez important parce qu'en gros, il dit « L'art, on croit que bah, l'art, c'est genre une belle sculpture et que c'est ça l'art, en fait, et qu'il faut admirer la belle sculpture. » Il dit « Mais en fait, non. L'art, c'est l'expérience qu'on vit. C'est l'expérience qu'on vit, que ce soit face à une sculpture ou face à un paysage ou face à je ne sais pas quoi. C'est ça l'art, en fait. C'est l'expérience qu'on vit. Je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Et du coup, moi, ça me nourrit beaucoup parce que du coup, ben, moi, mon rôle, c'est que des expériences soient vécues par des gens. Voilà. Et pas de faire un joli truc.
Ça n'est qu'un outil, en fait, là aussi, tu vois. C'est pas plus que ça, en fait. Et l'expérience de la relation aussi, de la relation toi-eux, ensemble. Voilà, c'est un peu ma méthode à moi. C'est super parce que ça me rassure, parce qu'en fait, je suis vraiment dans cette philosophie. Après, je pourrais dire, bah non, je suis pas d'accord ou quoi, mais non, là, je me reconnais complètement là-dedans. Et puis finalement, c'est ce que j'ai. C'est ce que même moi, quand je fais un film, c'est l'expérience qui compte. Bah, bien sûr. voilà, l'expérience n'est pas moi et le film, mais moi et les gens que je rencontre pour faire le film. C'est ça qui est essentiel. Voilà, je voudrais te dire juste un dernier truc, c'est que l'objet, si tu veux, c'est-à-dire la création qu'on va faire, que tu encadres. Oui. Moi, je trouve que c'est l'objet lui-même, du coup, c'est un outil de cette relation, de cette expérience et tout. S'il doit être beaucoup plus simple, c'est un peu pour ça que je t'ai raconté l'histoire de l'hôpital, s'il doit être beaucoup plus simple et beaucoup plus basique que ce que toi, t'avais rêvé, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est est-ce qu'il est outil pour une expérience. Et que pour moi, mais en cause, là, c'est vraiment ma méthode à moi, mais c'est hyper important d'avoir cette finalité dans chaque séance. Et je préfère avoir un outil beaucoup plus petit, mais on a le temps de le regarder. Et juste un dernier truc sur le regard ensemble. Comment on fait pour regarder ensemble, en fait? Je te termine là-dessus. Très souvent, tu l'as peut-être déjà vécu, quand des gens ont fait des films, on projette leur film dans un atelier, par exemple, puis ensuite, ils viennent pour discuter avec les spectateurs de leur film, disons. Et souvent, on va leur demander, on va leur dire, qu'est-ce que tu as voulu dire? Donc, ils vont devoir, en fait, se justifier de pourquoi ils ont fait leur film. Ça, c'est d'une extrême violence. En fait. Et alors que moi, ce que je propose, et je l'explicite toujours, hein, je dis, après qu'on ait vu les films, soit après chaque film, c'est pas mal après chaque film, si on a le temps, enfin ça dépend, tu vois. Que ce soit, c'est pas la personne qui l'a fait qui doit expliquer, parce que ça signifierait qu'elle est en maîtrise de tout, mais la création, c'est l'inverse de la maîtrise, en fait. Voilà. C'est l'inverse, c'est du travail. Et du coup, j'oppose des notions de travail et de maîtrise. Je vais juste te dire après pourquoi. Mais là, du coup, moi, ce que je dis aux gens, et là, je donne vraiment une règle du jeu, je dis, et je le fais moi-même, je renvoie à la personne. En fait, ce qui intéresse la personne, c'est vos ressentis de son film. C'est voilà. Ça qui va l'enrichir. Et ce qui est génial, c'est que quand les gens te renvoient ce qu'ils ont ressenti de ton film, tu apprends toi-même, tu comprends ce que tu as fait, en fait. Grâce au fait, tu dis, mais en fait, ça les a fait rire. En fait, ouais, j'ai fait un truc humoristique, je m'en étais pas rendu compte. Génial. Et du coup, tu apprends comme ça. Et du coup, moi, je le fais et c'est difficile quand on anime parce que ça veut dire que soi-même, ce moment où on regarde les films avec les autres, faut soi-même se mettre en disposition de vraiment les recevoir. Donc, le temps, il est important. Si tu te sens speed, tu vas pas réussir à être ouverte suffisamment, tu vois, pour pouvoir, et c'est un exercice, juste après la projection, lancer le mouvement parce que tu dis, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça marche pas. C'est toi, tu démarres, tu dis, ton film, il m'a touché. Et du coup, renvoyer ce dont j'ai été enrichi. Ouais. Parce que dire, en tant que professionnel, quand même, ton cadrage, je ne sais pas quoi, le son, tu as vu, il n'était pas bon. En fait, d'une part, ça ne sert à rien. Parce que si le son n'était pas bon et s'il y a un cadrage, il s'en est rendu compte, il l'a vu son film, donc je veux dire, ça ne sert à rien de dire ça, et que ça lui appartient, et que justement, il a vu des problèmes techniques, par exemple. Le prochain film qu'il fera, il n'y aura plus ces problèmes techniques, il aura appris par lui-même, c'est pas la peine que j'en rajoute une couche, en fait, sauf s'il le demande. S'il le demande, mais techniquement, est-ce que tu pourrais me donner? Pas de problème. Ouais. Mais par contre, ce qui est important, c'est que je lui dise ce que moi, j'ai trouvé de précieux dans son film et que je lui renvoie ça. Parce que souvent, la chose la plus importante est aussi la plus fragile. Et que du coup, si je ne renvoie pas que il a fait son petit dessin tout fragile. Moi, ça m'a vachement touché parce que j'ai reconnu un dessin que j'avais fait moi-même quand j'étais enfant ou je ne sais pas quoi. Et que vraiment, je ne raconte pas, c'est vraiment ça que j'ai vu. Et
il va se dire, ah ouais, ce dessin pourri que j'ai fait parce que j'avais pas d'autre idée, etc. En fait, il était important. Alors que si je l'avais pas dit, bah peut-être il aurait plus jamais fait de dessin pourri. Alors que si ça se trouve, il va faire que des films de dessin pourri qui vont être magnifiques. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore les gribouillis. Voilà. J'adore ça. Mais ça, c'est vraiment important de renvoyer. Et du coup, si on imprime le mouvement, les autres vont le faire, de renvoyer ce qu'ils ont reçu du film et de ne pas juger si c'est bien ou c'est pas bien. On s'en fout. C'est absolument pas le sujet, en fait. Ouais, merci. L'autre jour, j'avais une discussion avec un photographe dans une formation que j'avais faite là-dessus et qui m'a questionné là-dessus. Il m'a dit, oui, mais moi, en tant que photographe, justement, j'ai des connaissances, il faut que je leur transmette. Donc, c'est important. Sinon, je suis là pour quoi, en fait? Et du coup, ça le déstabilisait en tant qu'artiste, si tu veux, de pas. Parce que justement, il se sentait destitué, si tu veux. Alors que je lui dis, mais non, tu es là en tant que toi et tu as fait plein de photos. Donc ta présence, elle est riche pour les autres. Tu n'as pas besoin de justifier ta présence en donnant des conseils techniques, sauf si on te le demande. C'est pas ça le sujet, en fait. Donc, cette question du regard bienveillant, si tu veux, mais pour moi, elle se met en pratique en faisant en sorte d'être soi-même hyper réceptif, ce qui est difficile. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu laisses l'autonomie aux gens, par exemple, les trucs en papier découpé, tu les responsabilises, c'est eux qui font leur truc, qui, voilà. Et toi, si moins tu as à faire pendant ce temps-là, mieux ce sera. C'est-à-dire, si tu attends, tu ne fais rien pendant que eux bossent à faire leur film, il ne faut pas du tout se mettre dans la position « Ah, il faut que je sois actif tout le temps ». Mais non, en fait, s'ils sont responsables, vaut mieux les laisser faire. Et moi, moins je vois les films, mieux c'est, parce que ça veut dire que je vais les découvrir après. Donc, je vais vraiment être enrichi. Alors que si je sais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est moins bien. Donc, moi, je suis plutôt… Il faut vraiment me demander mon aide pour que je vienne, si tu veux, tu vois. Mais je ne vais pas être derrière le dos des gens, non, le moins possible, en fait. Sauf si je sens qu'il y a une difficulté et que ça coince, bon, voilà, je vais venir intervenir. Mais ça va faire que, un, pendant ce temps-là où eux, ils sont en train de bosser à fond et je tiens quand même la montre, moi, je suis hyper cool, je me détends et tout, tu vois. Et je me prépare à bien travailler à la fin. C'est-à-dire à pouvoir être hyper cool pour recevoir leur film. Alors, si j'étais tout le temps dans l'action, l'énergie de l'action, ce n'est pas une énergie où tu reçois. Et en soi, c'est pas. Enfin, je veux dire, ça ne se fait pas en une fraction de seconde de passer d'une énergie à l'autre, tu vois. Ça se prépare aussi pour soi. Tout à fait. Ouais, c'est beau. Et du coup, ça, souvent, les gens sont des bêtises. Mais alors, tu fais rien. Eh bien, ouais, c'est ça que j'ai à faire, en fait, de ne rien faire, pour pouvoir être bien réceptif tout à l'heure. C'est ça mon travail, en fait. Et ce n'est pas évident de ne rien faire quand tu es dans un groupe avec plein de gens qui font plein de trucs. Ce n'est pas simple, en fait. Il faut bien balancer pour que… Voilà. Tu as tout bien calé, ça marche. Et du coup, si tu veux, le truc… bon, mais là, c'est un truc un peu conceptuel, mais moi, j'oppose travail et maîtrise. La volonté de maîtrise, c'est croire qu'on peut tout maîtriser, c'est complètement illusoire, c'est avoir des critères de jugement, la maîtrise. Mais ça veut dire que tu laisses, si tu as des critères, tu vas essayer de répondre à des critères, donc tu laisses absolument pas la place à l'invention qui est le propre de la création et où justement on va inventer des nouveaux trucs pour lesquels il n'y a pas encore de critères de jugement. C'est ça qui est intéressant. Le travail, pour moi, c'est difficile. Hein. Quand tu regardes les films, mon travail aussi, c'est d'une part d'être cool, mais d'essayer de me débarrasser de mes critères, ce qui est dur. J'y arrive pas complètement, mais j'essaie pour être en capacité de recevoir ce qui me déstabilise, en fait. Et ouais, c'est pas évident. Hein. L'accident, hyper important. L'accident, voilà, ou ce qui peut-être n'en est pas un, mais toi, tu as l'impression que c'est… Enfin bon, voilà, l'accident, bien sûr. La maîtrise, c'est fermé pour moi. Il y a quelque chose de très fermé dans la volonté de maîtrise. Le travail… En fait, tu connais l'étymologie du mot travail? Il y a une relation à l'esclavage, en fait. Enfin, alors, c'est tripalium, la torture. La torture. En fait, ce n'est pas, c'est pas ça, c'est ce qu'on croit. Mais en fait, il y a une racine plus ancienne. Dans les dictionnaires, on va dire travail. Tripalium. En réalité, avant ça, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas tripalium, mais avant ça,
la racine en fait de travail, c'est la même racine que travel en anglais. Ah, excellent. Et le voyage, la transformation. Ah, trop bien. C'est ça le travail. Et on dit bien le travail de la naissance. C'est pas que tu souffres. Ouais. Et qu'il y a la transformation, quelqu'un qui naît à la vie, quoi. Ça, mmh. C'est le travail. Et du coup, le travail, dans tout ce que je t'ai dit, le fait qu'il y ait une finalité, on le fait pour une raison forte, si tu veux, et ben ça fait qu'on fait de son mieux. On travaille, quoi. On fait son max, si tu veux, mais ouais. On n'est pas en train de maîtriser. Il faut qu'on découpe le papier, on a un temps limité, putain, il faut qu'on fasse le film. Ah, c'est tout ça, on travaille, si tu veux, et après, ben, on a fait ce qu'on a pu, si tu veux. Mais n'empêche qu'on a vu qu'on avait une finalité forte, on a fait de notre mieux. On a travaillé, on n'a pas cherché à maîtriser un truc. Ouais. Et c'est pour cette raison-là que, comme on était un peu, tu vois, c'est beaucoup quand même sur de l'intuition, de bah, on va vite, etc. Mmh. Et c'est pour ça que c'est dans le regard de l'autre qu'on comprend ce qu'on a fait. Parce que sur le moment, on n'a pas forcément bien compris ce qu'on a fait, mais par contre, on a travaillé, on a fait de notre mieux, on a galéré, si tu veux. Ouais. Cette espèce de vision très scolaire, si tu veux, qu'il faudrait maîtriser tout ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait pendant qu'on est en train de le faire, mais c'est faux. On le comprend après ce qu'on a fait. C'est grâce à l'aide des autres, en fait. Mais tu vois, cette espèce de truc, ah, faut tout comprendre, faut tout savoir pourquoi. En fait, on le sait pourquoi on a une finalité. Le pourquoi, c'est de faire un film qui soit enrichissant pour des gens. Donc on a la finalité, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi j'ai choisi telle image? Et le découpage, il est chouette pour ça. Tu sais pas pourquoi, mais cette image, elle te parle. Et c'est après, dans le regard des autres, que tu comprendras peut-être pourquoi tu l'avais choisi. Mais sur le moment, tu n'avais pas encore accès à ça, en fait. Il faut laisser la porte ouverte à tout ça. Parce que sinon, on ferme, tu vois, on met des fermetures tout le temps. Tu vois. Et c'est vrai que j'ai observé dans ma pratique que la vitesse, c'est exactement ce que tu dis. Dans la vitesse, du coup, dans la contrainte, l'intuition, elle est là, sans même que tu t'en aperçoives. C'est le mouvement et le processus qui compte, l'expérience. Absolument. Et puis après coup, mais des fois, des années après, on te dit, waouh, non, mais là, c'est comme si tu faisais un révélateur sur ma vie à l'époque et tout. Absolument. T'es là, bon, moi, je n'avais pas du tout. Mais c'est la vertu du temps court. Et moi, quand par exemple, je mets les gens en autonomie, je leur dis, vous avez 30 minutes pour faire un film. Avec des consignes hyper complexes, des consignes, mais qui sont techniques, mes consignes sont toujours techniques pour qu'il y ait quelque chose au bout. Mais ensuite, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je les rassure techniquement, tu vois. Et du coup, ils ont une demi-heure pour faire un truc très compliqué techniquement, etc. Donc, c'est la folie, quoi. C'est impossible. Donc, il faut qu'ils y aillent direct, si tu veux. Mais oui. Et je leur aurais donné 2 heures au lieu de 30 minutes. Oui. Les films n'auraient pas forcément été mieux, quitte à faire un truc beaucoup plus simple. Ouais. Parce que cette question du flow, elle est importante. C'est-à-dire, il faut quand même, et ça, c'est notre responsabilité, que grâce à nous, ils aillent au bout. Ouais, c'est ça. Quelque chose. Parce que si on a mal géré notre cadre et qu'ils n'ont pas pu finir, ça, c'est un peu rude quand même. Carrément. Donc, ça, et c'est pour ça que moi, j'ai tout le temps l'œil sur la montre, qu'ils réussissent à aller au bout de quelque chose grâce à notre présence. Et que sans notre présence, ils n'auraient jamais fait ça, en fait. Donc, tu vois. Ça m'a beaucoup touchée parce que y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de passion du travail. Et puis moi, je dis souvent travail, et puis à chaque fois, je dis ah non, il ne faut pas que je dise ce mot, il est horrible et tout. Et puis maintenant, alors là, tu me donnes. Merci beaucoup. Mot de Dieu. Et en plus, si tu veux, dès le début, tu parles de ce qui est important, c'est être là, en fait. Tout ce que tu as dit, jusqu'à l'accouchement, jusqu'au mouvement, c'est Roustan. Enfin, c'est mon projet de film, c'est François Roustan, hypnothérapeute, mais c'est tellement ça, enfin, c'est tellement sa philosophie. En fait, à chaque fois que tu me parlais d'un truc qui t'importe, c'est exactement ce qui m'inspire en lui, c'est connexe. Quoi. Enfin, c'est génial, c'est cool. C'est résonance, Max. C'est pas les mêmes milieux, mais c'est pareil, en fait. C'est cette relation au cœur du processus. Finalement, la pratique dans un cadre pédagogique ou d'atelier, au fond, elle est un peu de la même nature que les autres pratiques qu'on fait, en fait, qu'elles soient thérapeutiques, artistiques, personnelles, collectives. Ouais. C'est du même ordre. Souvent, il y a des ateliers où soit j'anime moi-même ou soit je propose à des gens d'animer avec moi s'il y a besoin, etc.
Et en fait, ce que j'essaie au maximum de faire, c'est que nous, les animateurs, en fait, nous aussi, on fait des films. C'est pas que... Alors, parfois, on n'a pas le temps parce qu'il y a des gens qui ont des demandes. Mais je préfère qu'ils sentent... Justement, on est dans une énergie, on est ensemble, en fait, dans la même pratique. Nous, on porte chacun des choses différentes. Mais moi aussi, donc je vais peut-être plus vite pour faire un film d'animation. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que je me suis rendu compte à un moment que j'avais un espace de création où finalement, je faisais très vite des films dont certains qui sont, que les gens aiment voir, si tu veux, donc, et qui sont nés dans ce cadre-là. C'est-à-dire que je donne aussi, je suis quand même l'artiste, on va dire, avec une légitimité. Et moi aussi, je fais comme eux et je fais des trucs dont je considère que potentiellement, ils ont une valeur. Donc, oui. Eux, tu vois, en termes de finalité, ça veut dire que je considère pour moi cet espace aussi comme un vrai espace de création. Oui. Et parfois, je n'ai pas le temps. Mais quand je peux le faire, je le fais. Et du coup, on est plus à faire des trucs ensemble. Et peut-être, il y a des gens qui vont m'aider ou qui vont me donner une idée. Et moi aussi. Et je ne suis pas l'encadrant, quoi. Tu vois. Et pourtant, oui. Je suis 100% porteur du cadre. D'autant plus que je le fais aussi. Ouais, c'est par rapport à cette question d'écho, en fait, c'est très juste. Mais encore une fois, moi, tu vois, c'est plutôt des principes. C'est pour ça que moi, il y a des fois, je ne vais pas faire exactement comme je t'ai dit, parce que voilà, ça peut. C'est encore une fois, c'est un canevas, c'est une idée, c'est une éthique. C'est pas forcément un truc figé. Il est là pour être questionné aussi, tu vois. Franchement. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Benoît. De rien. Et c'était super. Allez, gros bisous. Salut. Merci beaucoup. Salut. C'est toi qui fais rec. Enfin, stop.